Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Combien sommes-nous ? Eh oui, très nombreux assurément à se dire qu'enfin nous allons pouvoir aborder cette fin de saison l'esprit plus léger et sans plus de boulets aux pieds. Oui, depuis cette formidable réaction sur plusieurs semaines de la formation de Michel Derzakarian, sa 4e victoire à l'extérieur de rang, c'était à Toulouse le week-end dernier, qui nous a donc définitivement assuré du maintien en Ligue 1. Dès lors, on ne va pas non plus jouer peigne dans la poche et pâquerette à la bouche, mais c'est vrai, nous allons jouer sans plus de pression désormais. Tant mieux, parce que notre calendrier, on l'avait tous en tête. Monaco avant et Lens pour finir, deux équipes qui sont en course pour l'Europe. Je vous fais observer d'ailleurs qu'à l'occasion de ce week-end, nous qui affronterons les Monégasques serons dans la même situation que pas mal d'équipes derrière nous au classement qui elles aussi affronteront des Européens en puissance. Mais nous, ce sera Monaco, le dauphin du Paris Saint-Germain. 4 points d'avance seulement sur l'équipe de Brest, la révélation de cette saison. Les Monégasques qui plus que jamais sont en course pour l'Europe et vont tenter de le démontrer au stade de la Mosson. Attention, avec la deuxième meilleure attaque du championnat avant ce match à la Mosson. 62 buts les joueurs de la Principauté ont inscrits jusqu'à présent. Ça ne sera donc pas simple, mais nous aurons ce challenge, ma foi, de donner le change et peut-être bien de parvenir d'ici la fin de la saison, ce sera la dernière occasion à la Mosson, de battre au moins une fois à domicile un pensionnaire du top 10. Ça ne nous est jamais arrivé, mais le top 10, nous y sommes pour la 6e fois de la saison et bien décidé à y rester à l'issue de ce match que nous vivrons ensemble l'avant-dernière journée du championnat. Ce dimanche, le coup d'envoi à 21h à la Mosson ou en notre compagnie, bien sûr, sur tous les supports du MHSC. À dimanche. Que yo tengo pena y quiero vacilar. Con esta me despido, sácame a bailar.